Coucou à tous, c'est Crime. Donc on se retrouve pour une nouvelle partie de Don't Starve. Je suis un petit peu, comment dire, vexée d'être morte hier à cause d'un buffalo en chaleur à 14 jours de jeu. Donc j'ai pas envie de rester sur un échec, alors et ben voilà, on s'y remet, hein, c'est comme le cheval, faut remonter en selle rapidement, sinon on n'ose plus. Donc, on est parti pour une nouvelle partie, et puis en espérant que on va pas mourir tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, jouer, nouvelle partie. Commencer. On va rester sur Wilson, je l'aime bien. C'est parti. Voilà. Magnifique. Donc, la première priorité, se faire un chapeau de fleurs et ensuite trouver un endroit pour poser notre camp, ramasser quelques branches aussi pour la nuit de tout. Qui arrivera tout à l'heure. Essayer de se trouver un petit peu à manger. Donc voilà, quelques branchages, des feuilles à manger et des fleurs, c'est l'objectif du jour. Ok, donc là il n'y a pas grand chose. Hop, oh, c'est fini. Ok. Alors. Ah, alors là, on a éventuellement la zone qu'on cherche. Donc, pour un bon camp, je vous rappelle, il faut des lapins, des buffalos, même si ça ne me réussit pas vraiment. Mais bon, j'en ai besoin. Donc voilà, des buffalos et des trous de lapins. Ah, les carottes. Bon, là, il y a un buffalo. Un, deux. Est-ce qu'il va y avoir des trous de lapin? Ça, c'est pas dit. Ce serait quand même royal de tomber tout de suite sur une zone avec des buffalos et des lapins. On va faire attention de ne pas cliquer dessus. C'est bon. Bon, a priori, il y a les buffalos, mais je vois pas les lapins. Donc, bref, un trou de lapin, c'est pas terrible. Il y a des cochons, là. Ouais, d'accord, je m'en vais, c'est bon. C'est moi tranquille. Ah, alors ça, une fois, je l'ai fait. J'ai ouvert le coffre, là, ça a tout brûlé, j'ai failli mourir. Alors, je vais peut-être juste aller ramasser ce qu'il y a sans toucher au coffre. Parce que je sais pas si ça le fait à chaque fois ou si juste j'avais pas eu de bol de tomber sur un truc qui avait tout foutu le feu. Mais bon, dans le doute, on va pas. Hein, on va pas tenter notre chance. Hein, parce que j'ai pas trop envie de mourir tout de suite. Bon, la zone n'est pas terrible. Ah, lapin. Ah, ça peut être pas mal. Ce qui m'enquiquine là, c'est ce camp de cochons qui n'ont pas l'air très. Voilà. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Je sais pas trop si je dois m'enfuir de là ou établir mon camp ici. Parce que là, il y a quand même pas mal de trous de lapin. Bah, je vais avancer encore un petit peu. Voir si j'en trouve pas un autre un peu mieux. Avec peut-être plus de buffalo, moins de cochons et plus de lapins. Parce que pour l'instant, celui-là, les cochons m'embêtent un peu. Puis il n'y a quand même pas énormément non plus de lapins. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de buffalo.
On va avancer un petit peu. Ce sera pas non plus le seul coin. Bon, j'en suis moi des fleurs. Ce qui commence à faire nuit. Sinon, tant pis, je vais me poser. Allez, encore deux, je peux me faire ma couronne. Je surveille l'heure parce que ce serait pas le coup de se faire. De se faire avoir encore une fois, ce serait dommage, c'est le premier jour, on va peut-être pas mourir le premier jour. Bon alors là je le vivrais comme un échec personnel. Hop, et de 12. Magnifique. Construire. Voilà, donc ça je le rappelle, ça permet à ma santé mentale de rester à un niveau correct. Continuer d'explorer un petit, tout petit peu la zone et on va se poser. Il y a à manger. L'été, non, c'est pas l'été qui arrive, c'est l'hiver, mon chou. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? La mer. Hop, encore une carotte. On mange des carottes ce soir. À devenir aimable. On va pas tarder à se poser, je crois. Encore des carottes. Carottes, des carottes, des carottes. Donc voilà, on sait au cas où je trouverai rien d'autre qu'à cette zone où je peux m'installer éventuellement si jamais je galère à trouver autre chose. Mais j'aimerais trouver une zone un peu plus safe quand même, parce que les cochons m'inquiètent un peu. On va se poser. Faire un feu. Je peux pas faire un feu, ok. La torche. Ah, fais-en une deuxième. Encore une. Dépêche-toi. Bon, j'ai mal calculé mon coup. Je pensais que je pouvais faire un feu. On va croiser les doigts pour que les deux torches tiennent jusqu'au petit matin. Ça va parce que la nuit est courte. Mais se sent bien seul avec sa torche. Du coup, on ne peut pas faire à manger, c'est nul. Mangera mieux ce soir, c'est pas grave. Ah, mais il a froid. Voilà, c'est à côté. On va pas utiliser trop la torche. Allez, hop! Ce serait bien que le jour se lève. Je vous le dis. Ça serait pas mal. Allez, le jour, lève-toi. Ça y est, le jour se lève. Youhou! Allez, on va aller couper un arbre tout de suite. Ça, pour ce soir, on est sûr d'avoir de quoi faire un feu. Ce serait quand même mieux que de cramer tous les arbres autour. Qu'est-ce que c'est? Je peux cueillir ça? Ah oui, mais il faut pas que j'aille là. C'est moche, ça. Donc, un arbre. Un arbre. Allez, même un petit arbre, ça va. D'arbres, on va repartir à la recherche. Peut-être que je me fasse un sac à dos aussi, mais je crois qu'il me faut la machine pour ça. Je sais pas, je vais regarder.
Réserveuse boussole. Non. Non, mais de toute façon, il faut la machine. Donc, j'aurai pas de sac à dos. J'ai vu qu'il y avait encore des carottes. J'ai combien de bûches là? 5. On va s'en prendre encore un petit peu. Ça fait pas de mal. Allez, encore quelques bûches. Et on va pouvoir repartir. Voilà. On va repartir à la recherche de notre zone. Donc, au cas où il y a celle-là en haut, mais elle me plaît moyen, je vous l'ai dit. Et on va suivre le chemin. Voilà le chemin. Il pue. Bon. Ah, là, il y a une autre zone peut-être intéressante. Il y a des lapins, ça c'est bien. Est-ce qu'il y aurait des buffles? Oui, il y a des pierres, ça c'est bien aussi. Je peux pas fabriquer. Est-ce qu'il y a des buffalo? Excuse-moi, madame. Oui, t'as faim, je sais, tu vas manger. Bon, il y a plein de lapins par ici, ce serait pas mal. Seulement il y avait quelques buffalo pour nous sauver la vie. Ah, il y a vraiment, vraiment plein de lapins, mais il n'y a pas un seul buffalo. Je vois pas de bouse non plus. C'est bien dommage tout ça. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, mais non, les araignées, c'est méchant. Enfin, les araignées. Oh là là. Les grenouilles, c'est méchant. Les araignées aussi, mais là, il n'y en a pas. On va construire une pioche. Et on va aller chercher quelques pierres. Puis on va se poser, puis on va manger. On va peut-être manger par là d'ailleurs, parce que. Shank Wilson, il est au bout de sa vie là. Où les pierres sont là. Bonjour le rocher. J'ai plus de place. Je peux faire un feu? Je peux faire un feu. Bon, on va se poser là. On va pas jouer avec le diamant, on va le faire manger parce que le pauvre. Le pauvre. Allez, un petit feu de camp. Allez, tu vas manger des carottes. Ouais, à mon avis. On va toutes les faire cuire parce que je pense que tu vas avoir très faim. De toute façon, j'ai pas de place. Attends, c'est des pas cuites, donc on y va. Allez, on va remonter sa faim jusqu'en haut. Voilà. Ça a mieux le ventre plein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ramasser? Qu'est-ce qui me sert? Non, ça peut être, ça me sert à rien. Silex, par contre, ça me sert à quelque chose. Allez, on va rester près du feu. Tiens, ramasse ça en attendant. Hop, on y va. Voilà, bah, t'éloigne pas trop non plus. Pour mettre du combustible. Ouais, on arrive, t'inquiète pas, tout stress pour la vie. Voilà. Encore, hein, c'est un, mais je viens de rajouter du. Oh, ils sont chiants. Une bûche. Voilà. Agréable et confortable, magnifique. Bon, bah mon sac est déjà plein, hein. Pas de problème. J'espère qu'on va vite trouver notre camp de base, sinon bah tant pis, on va se rabattre sur l'autre, hein.
Je me donne aller jusqu'à J5, jusqu'au jour 5 pour trouver mieux, mais si je trouve pas, ma foi. On ira, on va se refaire un petit peu à manger. Hein. Allez. Si je trouve pas, on retournera là-bas. Tant pis pour les cochons. Je sais pas trop s'ils vont m'agresser ou pas. On verra bien. On va rester près du feu. On va remettre une bûche. Et on va attendre tranquillement que la nuit passe. Allez, ça va, les nuits sont courtes, donc ça permet de repasser vite au jour d'après. Allez. On va peut-être devoir en mettre une bûche, on va voir. C'est quoi ça déjà? Charbon de bois. Non, on va le garder. Je crois qu'on en a besoin, je sais plus pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai pas recommencé une partie à zéro, donc je sais plus, mais je sais qu'on a besoin de charbon à un moment donné, donc on va se le garder tranquillement. Ouais, le feu commence à s'éteindre, mais t'inquiète, j'ai foi. J'ai foi dans le feu, il va rester allumé jusqu'à demain matin. Bon, du coup on a posé notre camp rapidement parce qu'il avait faim et on va se refaire un petit truc à manger avant que ça s'éteigne. Non, je voulais pas que tu me... Je voulais que tu fasses cuire. Que quand tu manges comme ça rapporte pas beaucoup de vie. Voilà. Bon allez, on va repartir chercher la zone. C'est bon là, non? Toujours pas. Allez, voilà, magnifique. Encore des carottes. Hop, j'ai fait beaucoup de roseaux. Nid de silex. Ah, il pleut maintenant, magnifique. Ah oui, j'aime pas les greniers. Enfin, en vrai, je m'en fiche, mais dans le jeu, elles m'ont déjà agressée. Je sais qu'elles sont pas sympathiques. Allez, on continue. On va se trouver. On va trouver cette zone parfaite. Ah, on va se mettre sur le chemin, ça avancera plus vite. Allez, c'est parti. Cours forest. Voilà. Une visite, c'est joli. Ah! Qu'est-ce qu'on va laisser? On va laisser une des deux. Une des deux torches. Voilà, Chester est parmi nous. D'ailleurs, on va le mettre dans Chester. Voilà, Chester, c'est bien. Allez, mon petit, suis-moi. Donc voilà, en ramassant l'objet par terre, j'ai pu récupérer Chester qui me suit partout. Alors, comme des fois, on le perd et que je veux pas perdre ce qu'il y a dedans, j'aime bien le laisser sur mon camp, mais comme j'ai pas de camp, je l'emmène avec moi, tant pis. On va aller là, du coup là je pense que je vais trouver ça. Ah bah non, rien du tout, un pont. Hop, on va se prendre à manger. Donc, pour l'instant je vois rien qui me... Je vois rien qui m'intéresse dans ce coin-là. Allez. On va aller voir ça. Non, il n'y a pas la zone que je cherche. Pas la zone que je cherche. On va quitter un peu le chemin. Ah bah, il y en a un autre. Des carottes. Des carottes et des baies. C'est bien parce qu'en plus, en ramassant les baies, elles vont apparaître. Enfin, le fait de voir les buissons à baies vont apparaître sur ma map. Quand j'aurai trouvé mon coin, je pourrai venir les chercher. Bon, petit chemin. Voilà, il n'y a rien. Alors,
Du silex, ça peut toujours être utile. Salut Ange. Donc non, je suis pas morte. Je suis contente que tu aies fini tes churros. J'espère que tu nous en as ramené quelques-uns. Et donc, elle n'a pas du tout changé. Et bisous à Cléophée. Non, je suis pas morte. Tu vois, j'ai un copain. J'ai un copain qui me suit. Je suis pas morte. Pourtant, j'ai croisé des buffalos, mais j'ai réussi à survivre aux buffalos, quoi. Les grenouilles, par contre, c'est méchant. Bon, je vais pas trouver de zone sans. Voilà, non, là c'est mort. Allez, chercher une zone pour ce camp. On a à manger pour ce soir, de toute façon. On peut y aller, on va encore récupérer des carottes. J'ai de quoi faire un feu. Oui, j'ai de quoi faire un feu. C'est bon. J'ai de quoi faire un feu, de quoi manger. J'ai Chester qui me suit. Tout est parfait. Si ce n'est que je ne sais pas où mettre mon camp. Non, ils n'étaient pas en chaleur. S'ils ne sont pas en chaleur tout le temps, ça dépend des moments dans le jeu. Donc ils ne sont pas en chaleur tout de suite. Je suis à peu près tranquille quelques jours. Je suis en train de perdre la voix. C'est vraiment pas le bon jour pour ça, mais. Encore des carottes, des baies. On va avancer encore un petit peu. Essayer de trouver cette zone parfaite pour pouvoir se poser. Je rappelle, hein, une zone avec des buffalos et des lapins. Les lapins pour manger, les buffalos pour se défendre. Oui, parce que contrairement à ce qu'ils font avec moi, les buffalos à la base sont censés te défendre. D'ailleurs, ils le font hein, quand j'en ai besoin. Ils sont censés te défendre des chiens qui arrivent à peu près au 10e jour. 8e jour d'ailleurs, pas 10e. Donc, il faut que je me trouve un camp rapidement. Hop, les baies. Je trouve pas la zone que je veux. Ouais, c'est par en haut. Bon, après, on est qu'au 3e jour, hein. Ça laisse encore un petit peu de marge, mais. Ça laisse un peu de marge, mais quand même, ce serait bien. On trouve rapidement cette zone. On va bientôt faire nuit, on va se poser. Bon, ah, tiens, là où il y a de quoi ramasser des pierres. Allez, on va se poser. Allez, avant qu'on se fasse avoir. Magnifique. Donc on va manger. Allez, on va manger les baies, elles sont plus. Non, pas comme ça. Il comprend rien. Ce... Et ici, Chester. Hop. Tu pourrais t'avancer un peu, s'il te plaît, que tu sois dans la lumière. Voilà, merci. Que je ne sois pas obligée d'aller te chercher à l'autre bout du monde. Hop. Voilà, on a mangé, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors. Donc je te présente Chester, c'est mon copain. Il me sert de coffre. Voilà. On va mettre les baies là pour que je puisse les voir. Et là-bas, on va mettre des choses dont on va pas se servir tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que le jour se lève. On est déjà au jour 3 et je suis toujours pas morte. Oui. Oui, je me sers de mes copains pour porter mes affaires et pour mettre des choses dedans. Et tu fais pas ça, toi, avec tes copains? C'est pas des vrais copains là. Alors, bon.
Tu sais, Ange, que je te vois mettre les liens sur la conversation. Je te vois. Allez, on est reparti. On se récupère pour à manger. On cherche toujours notre zone. Et c'est pas parce que je suis en jeu que je vois pas ce qui se passe sur Facebook, tu vois. Hop, on va ramasser des pierres. Hop, ça peut toujours être utile. Ah, une forêt. Allez, on avance. J'ai toujours de quoi faire un feu pour ce soir. Oui. Allez, on est parti. Bon, alors, elle est où cette zone là, avec des lapins, des buffalos, pas de cochons? Pas compliqué quand même. Ramasser des baies, toujours. Ah, je crois que je vais retourner sur la première zone que j'ai vue, tant pis. On va se donner encore un petit peu de temps, mais. Oh, des araignées! La dernière fois que je les ai croisées, ça s'est mal passé. Ouais, mais ça sert à rien de rameuter Chris, il n'y a pas les buffalo encore. Ils sont pas en chaleur. Ah! Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais jamais, ils sont pas méchants normalement. Pourquoi là-bas ils montent? Oh, des carottes plein! Pardon, excusez-moi les cochons, je viens voler vos carottes. Voilà. Surtout pas cliquer sur un. Oui, c'est ton territoire, bien sûr. Ouais, moi reculer, ouais. Bah ceci dit, ils n'ont pas l'air agressifs, là. Donc ça se trouve que je peux retourner à la première zone et puis ils me laisseront tranquille. Je vais finir de piller leur camp quand même. C'est la base. Voilà. Et je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va retourner au camp de base et puis tant pis. Mais tout à l'heure, il avait l'air de m'agresser quand même, le machin. Alors que là, il se barre. Je sais pas. Je me tâte. Ouais, on va pas aller là-bas. Je me tâte. Est-ce que je retourne à mon camp de base? Alors, les cabanes, c'est les maisons des cochons. Je vais te montrer, mais normalement, je peux rien en faire. J'ai déjà essayé. Pardon, les cochons. Voilà. Je peux rien en faire. Donc, après, je crois que je peux venir dompter des cochons. Et comme ça, ils me défendent. Mais on n'en est pas encore, là. Ah, il y a à manger, là. On ramasse la viande, nous, hein. On n'est pas... On n'est pas comme ça. Ah, de l'or. Magnifique. Hop. On aura besoin d'or pour la machine. Bah, écoutez, je me laisse encore demain pour explorer. Et si je trouve... Si je trouve mieux, j'irai mieux. Sinon, je retournerai à ma zone de départ. Après tout, c'était pas si mal, si ce n'est les cochons. Mais à la limite, si je m'approche pas et qu'ils m'attaquent pas, pourquoi pas, quoi. On va retourner voir. Ah, là, il y a peut-être une zone qui peut nous intéresser. Bon, y a un lapin. Deux lapins, trois lapins. Ouais. Il y a des trous de lapins, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des buffalo? Des buffalo. Alors ça c'est un trou, c'est pour voyager d'un coin à l'autre de la map. Mais on va pas tenter l'histoire tout de suite. Hein. Allez, il n'y aurait pas quelques buffalo là? Petit, petit, petit. Et maintenant. Perdu. Il n'y a point de buffalo. On va pas tarder à se poser pour la nuit. On se laisse donc encore demain. Et si demain je ne trouve pas de zone, eh ben on repartira à notre zone de départ qui est donc à l'autre bout de la map. Hein, bien sûr, puisque
Parce que sinon c'est pas drôle et qu'on a parcouru quand même pas mal de chemin. Je regarde l'heure tout en avançant encore un petit peu. J'ai plein de carottes, mais je dois encore en prendre. Ah, une autre zone qui peut nous intéresser. Alors, il y a un lapin. Vas-y, Chester, avance. Oh, c'est une grande zone. Ah, il y a bien des buffalos là-dedans, non? Allô? Les lapins, les buffalos, les amis, quelqu'un? Bon, il y a des lapins là. Ça, c'est bien. C'est un garde-manger certain. Mais je vois ni buffalo ni bouse de buffalo. Donc, j'ai peur que ce soit encore un coup pour rien. Pourtant, c'est une grande zone, quoi. Il va y avoir plein de buffalo là. Plein de lapins, ça c'est sûr, hein. Pas de problème. Hein. Non, 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 non. Non, je te laisse, Chester. Viens, mon copain, viens. Allez, viens, copain. Viens, avance, avance, avance. Mais avance! Allez! Putain, mais il est con celui-là aussi. Voilà, c'est bien. Ouh, j'ai pas fait de feu. Là là, il y a l'araignée qui nous en kikine. Est-ce que je peux faire un piège? Allez, ici toi. Voilà. On va pas se laisser. Tu peux pas porter, bah mets-le dans Chester. Voilà. Allez, maintenant tu vas manger. Allez. Hop. Viande de monstre, non, pas trop. C'est pas bon pour ma. Non, c'est bon, j'ai assez à manger. On va se faire des carottes. Je rappelle que j'ai pillé totalement le camp des cochons. Donc, j'ai plein de carottes. Voilà.